Nous sommes ici tous réunis pour la commémoration de l'anniversaire de la mort de votre père. Cela fait 15 ans et nous voilà enfin tous au complet. Commençons ce repas. Je suis très supprimé.
c'est seulement faire ce qui est pour les gars. C'était dans son bureau. Il n'a jamais cherché à accéder et à faire refaire. Donc j'ai dit. Disons qu'avec ça, il ne fallait pas trop jouer les curieux. Disons qu'avec ça, il ne fallait pas trop jouer les curieux. Gros, j'estime également que c'est une bonne idée. J'estime aussi que c'est une bonne idée. Je dis que s'il y a une solution au problème d'Anne, c'est là. Je cherche William Morton. Il n'est pas là. William Morton, vous êtes en arrestation pour le meurtre de Dolores Lewis. Où êtes-vous? Il n'est pas là. Vous êtes trompé, monsieur. Vous êtes William Morton? Cela fait 15 ans que William Morton ne vient plus ici. C'est bien, c'est bien. Amenez-moi la trousse. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je constate qu'il est mort. Il est mort. Vous pouvez barricader. C'est intéressant ça. C'est trop tard, elle est à l'intérieur. Elle. C'est intéressant ça. Barricader un cadavre. Qu'est-ce que c'est que vous avez à l'intérieur? On va pas retrouver dans le cadavre. La bête, c'est la bête. Petite question. Le cadavre, il avait une arme. Le policier a pointé une arme. Est-ce que quelqu'un a pensé à récupérer son arme? Elle est chaude là. Je lui ai confié. Elle est vide. Elle est vide. Avec nous. Il y avait une arme déchargée. Il y avait une arme déchargée. Un policier. Il a vidé son chargeur sur la bête, ça ne lui a rien fait. Mais si ce qu'il m'a dit, c'était. Pour se défendre. Peut-être que ma dague aurait un effet sur elle. C'est vrai de prendre le risque d'aller au contact avec la bête. Elle a dit qu'elle était dans la maison. La bête. Oui. Mais moi je l'ai vue.
bien. Je savais pas que vous l'aviez. Elle l'a expliqué tout à l'heure. Dans le bureau, quand j'étais petit, quand vous étiez. Oui, exactement. Voilà. Moi, je veux que je vous. Mais c'est de tout. Du coup, est-ce que j'ai une question? Elle t'a traversée pour pousser ta. J'ai une question. Est-ce que vous pensez que cette bête protège Alicia? Je pense. Est-ce qu'on pourrait pas proposer, pourquoi pas, hein, à Alicia de prendre la dague? Non. Pas assez de cette bête, peut-être. Enfin, Alicia avec une dague. Alicia, est-ce que la bête est là pour se protéger? Elle sait pas. Oh, si, je pense. Elle l'a protégée de quoi? Elle te réconforte quand tu la vois? Son avis, non. Tu préfères la dernière? Bruce a dit que quand il l'a regardée par la fenêtre, Alicia était complètement calme et n'avait plus de fièvre. Non, le lendemain. Ah, le lendemain? Elle a regardé la fenêtre ou pas? Oui. Quand est-ce qu'elle faisait une crise? C'était l'instant. Il y a deux ans. Non, mais avant ou après qu'il mette la fenêtre? Il l'a trouvé comme ça. Le début de la crise, c'était avant. Elle faisait des crises avant. Elle faisait une crise, après la bête est apparue, le lendemain elle allait mieux. Est-ce que c'est pas parce que tu as vu la bête qu'elle a pris peur et qu'elle s'est enfuie qu'elle allait mieux? Qu'est-ce que vous proposez, madame? En attendant, moi quand je l'ai vue quand j'étais petite, elle n'a pas attaqué lui. Quand tu. Elle a attaqué père. Quand père est mort. Elle a attaqué père parce qu'il a attaqué Alicia. Quand père est mort, vous avez retrouvé Alicia où? Moi je l'avais mis dans sa chambre. On l'a mis c'est toi qui l'as remis dans la chambre? Je l'ai mis dans la chambre de mère, elle dormait à ce moment-là. Mais de quoi vous voulez protéger? Admettons. La bête sera le gardien. De quoi voulait-elle protéger tout à l'heure? De nous peut-être? De moi. Vous avez des mauvaises idées pour votre Alicia? Père m'a demandé de reprendre son gardien. Père m'a demandé de continuer ce qu'il avait commencé. Ouais. Après, est-ce qu'elle en est au courant? Après, est-ce que tu as l'intention de blesser Alicia? Oui, mais dans la continuité de ce que vous avez dit. Si la bête est le gardien, elle ne veut pas que je le porte avec. D'ailleurs, excusez-moi, c'est lui qui s'est déchargé, vous me l'avez donné ou pas? Pas du tout. Non, je pensais qu'il était complètement chargé, étant donné que. On fait confiance. Ça fait plaisir. Alors, on pourrait peut-être pas jouer finalement, ouais. La réflexion. Ah, mais c'est une notion importante. Ouais, c'est pas ça. Mais je. Voilà, c'est une problème de confiance. D'accord. Et moi, je savais pas qu'il y avait des chargés. Je pense pas que la bête soit le gardien. Je pense que du coup, le père voulait être le gardien de ce. Oui, mais si c'est pas de ce portail. Oui, c'est ce qui était. C'est ce qu'il y a dit dans la lettre. Voilà. Oui, mais. Les gardiens, pour quelle raison? Mais que du coup. Ils voulaient communiquer avec les morts. Ouais. Et d'ailleurs, grand-père Obed parle-t-il à Alicia? Ah! Mais excusez-moi, je vais me l'absenter. Pourquoi faire? On attend la prochaine crise et on reste là à parler en attendant. Ouais. Au lieu d'agir. Que c'est ce que merde voudrait. Ouais. Et ça recommencera l'année prochaine et ainsi de suite. Merde, je m'en fous. En attendant. Jusqu'au jour où plus personne ne verra. La bête. La bête finira par tuer un de vos enfants. Je suis d'accord. Ouais. C'était vraiment juste, c'est ce que vous voulez. Non, on n'a pas dit c'est ce qu'on voulait. On veut juste pouvoir protéger notre famille. Moi, c'est ce que je voudrais, mais je ne partirai pas sans merde. J'ai une question, pourquoi elle revient aujourd'hui la bête? Parce que ça doit être une journée du. Parce qu'aujourd'hui, les deux mondes se rejoignent, n'est-ce pas? Les deux mondes se rejoignent. Mais pourquoi aujourd'hui c'est tellement? Parce que père a établi un calendrier et a fait les calculs. Ouais, mais on n'a pas le calendrier donc. Non, mais il y a un autre monde, tu as de là. Tous les. Ça nous rejoint et une porte s'ouvre. Est-ce que tous les ans il y a une tempête quand on vient? Il y a des tempêtes en plaisance. Mais pas forcément à ce jour-ci. Tout le temps, quoi. Mais
Claire avait calculé au 1er mars de l'année de sa mort, c'était un des jours où le portail s'ouvrait. Mais c'était tous les 4 ans. Quand est-ce qu'il est mort, le grand-père? Le grand-père, justement, on lui a posé la question tout à l'heure. Il n'y a pas de jour, je pense que c'est une date chaque année, mais peut-être que c'est un cycle de 15 ans. Voilà. Si, c'est tous les 15 ans, 87 plus 15, plus 15, on arrive à... Oui, mais c'était mort en 1er mars. C'était pas 1er mars. De toute façon, père a dit... Excuse-moi, je ne l'ai jamais... Père dit, je veux pas attendre un prochain cycle, un prochain, mais en parlant de... Oui, il a un calendrier bien défini. Et je craignais de voir passer plus d'une année entière et attendre un nouveau cycle. Oui, plus d'une année. Oui, c'est tous les ans, il y a des tempêtes, et chaque tempête, c'est la jonction. Et justement, il n'y a pas de tempête à chaque fois qu'on met ici. Non, c'est parce que ce n'est pas tous les ans un 1er mars, c'est tous les ans dans cette période-là. Peut-être semblerait qu'avant, tous les 15 ans, c'est un 1er mars. Et bien, c'est possible aussi. Oui. Après, c'est une théorie. Hein. Ouais. Où l'as-tu trouvé en fait la chita? Dans le cimetière indien. Tu l'as trouvé où, Prosper? Dans une tombe. Laquelle? La première que j'ai creusée. Et par hasard? Il y avait une. Père m'avait dit que. Non. Oui, Père m'avait dit d'aller chercher là. C'est pour ça que je suis revenu il y a 3 mois. Vous savez que je voulais accéder à l'autoroute. Et cette tombe, c'est une tombe de mes anciens. Oui. Non, c'est une tombe. C'est Dolores qui m'a parlé des. C'est Dolores qui a parlé des nourrissons. C'est une tombe à Ken. Est-ce que tu connais les noms de ta famille? Il n'y a pas le nom? Non, je vais la passer sur moi. Je ne sais pas pourquoi les Akenis ont disparu. Hein? Non, c'est Son père. Son père. L'histoire dit qu'ils auraient voulu ramener quelqu'un. Ils auraient donc essayé eux-mêmes d'ouvrir le portail. Son père a une centaine d'années, pourquoi cette question? Ils ont ouvert le portail, ils ont voulu ramener quelqu'un. Le savez, en position ou c'est... C'est une légende. C'est une légende. Oui, il se peut que les gens soient réalisés, qu'ils soient tous morts. Je ne sais pas du tout, en fait. C'est une spéculation, je ne sais pas si... Qui? Je vous ai dit que ce serait toi la matière d'avant. Non, bah non. Non, ça fait trop longtemps que... Ou alors tu m'en fais. Ou alors tu es le gardien. Vous. Non, je suis censé être le vieux. Vous n'êtes pas le gardien. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce qu'a vu Pearl dans ses rêves. Visiblement, ils sont liés aux visions d'Alicia. Elle a vu la bête, des bêtes, la poursuivre dans la forêt. Des monstres. Au pluriel. Je suis pas trop sûre. Des choses qui sortent du portail. Donc, le mieux, c'est de pas l'ouvrir. Le problème, c'est que... On ne veut pas l'ouvrir forcément, on veut juste aller voir, avoir les papiers et avoir les informations. Rien n'avancera tant qu'on n'ira pas dans le tour. Non, mais je ne conçois pas qu'on puisse... Enfin, je ne vois pas comment congédier une créature sur un autre plan sans ouvrir le portail. Pas non plus. C'est lui. Je ne sais pas, je ne connais rien. Malheureusement. C'est lui qui en est les enfants. Qui ça? Le père de Doras. Je dois vous avouer une chose. La dague, après la mort de votre grand-père. Votre grand-père n'est pas dans le puits. Ça. Mais vous en doutez. Oui. Ça, sans ça, vous la retrouvez mutilée. Il a voulu se sacrifier la bête. Pour le. On l'a retrouvé mutilée. La bête, là, c'est tout ce que je sais. Il a voulu se sacrifier pour la chair, comme ça marchait pour le père, pardon. Sauf qu'on l'a retrouvé mutilée. La dague avait disparu. Et. Le policier de Longham qui était à l'époque sur l'enquête m'a dit qu'on conclut d'un suicide. Alors qu'il n'avait pas la taille. Alors qu'il est mort mutilé. Est-ce que le policier pourrait pas être un gardien? Il était au courant du trafic de bébés. Je l'ai appris avec lui.
Vous n'y croyez pas, nous avons été sur place, nous avons vu la scène de votre grand-père. Et il m'a dit, à ce moment-là, oubliez. Donc il savait des choses. Il savait des choses, hein. Et vous l'avez fouillé, le corps? Je ne l'ai pas vu. Enfin, j'ai vu le corps, mais je n'ai pas fait fouiller. On a fouillé le corps, mais on ne l'a pas fouillé. Non, on a vu le corps, mais on ne l'a pas fouillé. Non, mais le corps du policier. Non. Le corps du policier. Et le corps du policier, on l'a fouillé? Je passe la question, oui. C'est une arme à feu, c'est une carte. Sans carte, oui. C'est tout. Vous avez ça? Oui. Et ce que je veux dire, c'est que. Le grand-père, il c'était quelqu'un de tout à fait normal. À la fin, il a littéralement. Il s'est recherché et s'est enfermé dans le bureau pendant des jours, des jours, des jours. Et vous avez dit qu'il y a eu deux fils. Toi. Voilà. Non. Toi. Et toi. Ton frère. Et. Non. 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 Là, il parle de mon père. De grand-père. Le frère de mon père. Et en fait, ton frère s'est beaucoup rapproché de grand-père. Il a aidé dans ses recherches. Son père est parti. Et il a continué sur tout à fait le même fil conducteur. Ça, je sais bien. Et on l'a retrouvé cette fois-ci. Sauf que j'étais à l'époque sur le continent et je pense que quand on a appris la mort de ton frère, j'étais bouleversé et c'est toi qui m'as dit qu'il était mort de suicide. Et c'était le même policier qui était sous enquête. On m'a dit aussi qu'il s'était suicidé. On m'a dit aussi que. Qui a vu le corps? Le corps de qui? Il est passé par la fenêtre. Moi, je l'ai retrouvé. C'est moi qui l'ai retrouvé. Et elle est. Non, toi tu l'as retrouvé. Elle est passée par la fenêtre. C'est moi qui l'ai retrouvé. Je l'ai vu passer par la fenêtre. Je suis descendue, je suis allée voir le corps. J'ai constaté que c'était notre elle père. Chercher. Je suis allée voir. Je suis allée chercher oncle Franck. Et après. La thèse de suicide qui a été confirmée par l'entreprise. Que là c'était plus probable étant donné qu'il était passé par là. On est d'accord. Votre grand-père était assis sur une chaise pour le monsieur. Vous croyez qu'il a du coup la bête? Je ne sais pas. Le problème c'est que c'est toujours une question. Qui protégeait quoi? Qui est la bête qui est derrière? On est d'accord. C'est toujours une éternelle question. Et lorsque votre père est décédé, la dague avait disparu. On l'a retrouvée dans le jardin quelques jours plus tard. Dans le jardin? Oui, de la demeure. Et vous l'avez donné à terre? Non. J'ai remis à l'endroit où elle doit être. C'est là pour sa tombe. Dans sa tombe? La tombe de qui? Du grand-père? De mon ancien. D'accord. Donc, non, ça n'en parle plus, c'est pas vous auriez dit dans leur tombe. Dans la tombe de mes ancêtres. Oui, dans sa tombe. Sa tombe en particulier. Pourquoi sa tombe là en particulier? De mes ancêtres. C'est parce que ça devait être le gardien en lui-même. Je ne sais pas, je pense pas que la tombe de mon particulier ait une importance. Je. Non. Le problème, c'est que la vague a disparu ce soir. Ce soir, elle a disparu? Non, le soir, ça s'est passé. Et quand vous avez retrouvé père, il avait la vague? Nous, dans le bureau. Oui, il l'avait sûrement la main. Pour moi, c'était un couteau, mais j'étais tout petit. Et quand on avait vu fait de la dague, du coup? Le fait que j'ai retrouvé. On a rien fait de la dague. Non, mais le fait que j'ai retrouvé sur le terrain. C'est vrai que j'ai chuté de la fenêtre par la mer. Ah, bon. Simplement. Et grand-père, vous l'avez retrouvé sur le terrain aussi, la dague? Tu as pris Alicia dans tes mains ou tu as pris la dague dans tes mains ce jour-là? Je ne sais plus du tout de ce que j'ai fait. Je vois juste faire le geste de protéger Alicia. Oui, tu as protégé Alicia, mais je me souviens plus si c'est la dague que tu as pris. Moi, est-ce que tu l'as coupé? Je ne Il a saisi le bras. Le bras? De père? Oui, de Alicia. De père. Il ne s'est pas blessé ni coupé? Non. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend? Non. On crie d'arrivée? Que quelqu'un frappe à la porte? On pourrait attendre demain. Non. On va y jouer à ton bébé. On va y jouer à 10 jours et 2 ans. Ouais. On n'a aucun moyen de communication. Et c'est aujourd'hui que. Justement, c'est pour ça que je voulais attendre demain avant de déverrouiller la fin.
Derrière dans lequel le père a caché son carnet avec le calendrier et le rituel. Ça va pas changer grand chose. Parce que c'est le jour pour faire ce que le père a voulu faire, pour le dernier mois. C'est pas le jour que vous devez cette porte en particulier. Oui, mais j'ai pas envie de postiller les incantations aujourd'hui avec. Non. Non, ils ne le sont pas, ils n'ont pas réussi à l'être. Ils veulent ouvrir le portail, mais on ne sait pas si leur but était de nuire ou de. Leur pas, but, voilà. Le but de père était de communiquer avec grand-père et grand-mère. Le problème, c'est que là, vous voulez parler quelque chose au hasard, sur quelqu'un, personne vous rappelle qu'il y a beaucoup trop de points obscurs dans son histoire et qu'on. On ne connaît ni leurs intentions. Mais on ne peut pas rester dans l'arrière-père, ça n'avancera pas. Au moins, on est en vie. On va tous s'asseoir, après. Salut. Et Alicia va continuer à faire ses trucs. Ici, on va en savoir beaucoup, mais avec une pose encore des questions. Elle répond pas. Elle a parlé. Elle doit répondre à moi. Elle doit répondre à moi. Elle répond à vous. À vous, Claude. Pourquoi t'en penses tu as déjà entendu parler à Alicia? Dans l'avance, personne n'a entendu. Personne. Voulez-vous que vous entendiez avec Alicia en privé? Alors, moi et Alicia. Elle avait dit d'aller chercher les enfants. Qui est Alicia dans ça? Pourquoi on prie là tout le monde? Parce que si on est là, elle ne parlera pas. Oui, non, mais apparemment, les enfants sont enterrés dans la cave et dans le jardin. Alicia Alors on va ouvrir. Bon d'accord, mais
On va d'abord parler à parler avec Alicia. Parler avec Alicia et après on se fait voir si ça donne rien. Devant une assemblée de scientifiques reconnus, ses récents travaux sur la civilisation disparue des Indiens Apkalis qui peuplèrent l'actuel Massachusetts il y a presque 10 000 ans. Ce fut au milieu d'une explication où le professeur Morton tentait de démontrer la capacité des chamans Apkalis à dialoguer avec l'esprit des morts que le scandale éclata. La charge vint du doyen même des professeurs, le vénérable Howard Cyrus Bentley, qui n'hésita pas à se lever de son siège et à interrompre l'exposé. Ses propos surprirent par leur véhémence. Monsieur Morton, vous nous exposez depuis plus d'une heure le résultat de vos prétendues recherches. Vous nous assenez avec morgue votre ramassis d'approximations, de raccourcis et d'affirmations sans jamais les étayer par une démonstration scientifique. C'est indigne d'un professeur d'université de Boston. Vos travaux ne sont qu'un fatras obscurantiste qui ne saurait porter le nom de la science. Et je ne vous reconnais pas le droit de vous considérer comme l'un de mes collègues. Vous décelerez par vos propos les plus éminents prédécesseurs qui se sont succédés dans cette même salle de conférence et qui ont fait la gloire de notre institution à travers le monde. En forme de protestation, j'invite donc mes amis et collègues à ne plus participer à cette parodie d'exposé scientifique et à suivre mon exemple en quittant immédiatement la pièce. S'en suivit un moment de stupeur où quelques sifflets tombèrent des rangs, puis les sièges se vidèrent dans un mouvement unanime de protestation contre la conférence. Le coup fut rude, mais le professeur Morton ne s'y la pas. Il accompagna d'un regard froid et sans émotion ses pairs quitter la salle. Cependant, le scientifique ne se retira point et continua sa conférence devant une assistante plus que clairsemée qui contrastait avec celle du début de la soirée. Dans les couloirs, à l'extérieur de l'auditorium, votre serviteur put entendre des mots tels que « honte »,« parodie » ou « scandale » pouvant bel et bien l'émoi et le trou que jeta le professeur Morton sur son auditoire. Certains avancèrent que leur confrère n'avait plus toute sa tête depuis son départ de Boston pour s'en aller vivre seul sur une île perdue au large des côtes du village de Truth. Gageons que cette affaire ne restera pas sans suite. Certains professeurs souhaitent en appeler aux autorités de l'université afin que le professeur Morton soit sanctionné. Ce dernier refusa de répondre à nos questions. Tu as vu ça? C'est chaud. C'est symbole. Il faut déverrouiller ça. Je suis d'accord. Prêt? Non, la fin. La fin, ça va. Faut qu'on ait la suite. On peut pas rester comme ça. Personne ne sait lire. On n'a pas besoin de savoir ce que ça veut dire. Non, mais c'est on l'a prononcé. On l'a prononcé sans aucun problème. Vous Tu vas lancer la banque. Pas de bonne idée. Alicia dit non. Alicia est pas. Et puis vous êtes à risque. Et oui. La lettre, c'est à vous. Parce que dans la lettre, son père dit clairement que c'est à lui qui passe le rôle des gardiens.
Si quelqu'un doit la lire, c'est lui. Parce qu'on connaît toujours pas les intentions. Le problème, pour elle. Justement. Toujours le plus. C'est pas bien qu'on puisse le dire. Je pense que c'est le message tout à l'heure. Le message tout à l'heure. Je n'ai pas vraiment compris ce qu'il disait juste avec Laetitia. J'ai du mal à rigoler. Grand-père disait que le père était assailli par le néant et qu'ils allaient bientôt disparaître. Et qu'ils s'étaient trompés de plaquette et qu'ils avaient besoin d'Alicia. Il y avait une histoire de rituel blanc qui n'a pas marché aussi, mais j'ignore ce que c'est. Mais. C'est toi qui le sens. Vous pouvez lui boucher les oreilles. Prends la main dans votre pièce. Je peux avoir la lettre, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais lire. Le carnet? Non, il va dire la contation pour pouvoir ouvrir bien. Alors, on ne peut pas ouvrir le carnet si on... Dis-moi pourquoi il y a des problèmes. Ok. Il faut bien le laisser faire. Non, mais... Attendez. Ouais, tu penses. Carnet. Qui veut ouvrir le carnet? Allez! Elisabeth, pourquoi vous voulez pas? Vous avez vu la réaction d'Alicia ou quoi, aussi? Mais bon, c'est la réaction d'Alicia qui peut. Elle est tout liée à toutes ces histoires, mais bon, c'est vraiment juste sa réaction. Il faut arrêter d'avoir peur, Philippe. C'est un grand passion. Je suis d'accord, Marc. Avec pas. Oncle Franklin. Enfin, n'avance pas, je ne sais pas pourquoi la réaction d'Alicia me. Oui, elle nous rassure pas, mais de toute manière, elle nous rassure pas, mais depuis le début, elle nous rassure pas parce qu'elle fait des crises aussi. Peut-être que le fait qu'elle nous fasse comprendre qu'elle n'est pas trop pour, c'est peut-être la chose inférieure d'elle qui veut nous faire croire que c'est pas bon, parce que la chose intérieure veut se protéger. Peut-être qu'elle peut être la chose qui peut tuer ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Par signe de possession, si on est possédé, forcément, la personne qui nous possède ne voudra pas qu'on la sorte de notre corps. Donc elle fera forcément prendre tout ce qu'on pourra faire pour la sortir du corps. Après, c'est fou, hein, mais... Je crois que c'est théorie aussi. Comment? C'est ton supposition. De toute manière, on n'est que sur des suppositions depuis tout à l'heure. Oui.
Et puis, Il a fait. Allez. Gungli, Englo, Nak, Sou, Rayel, Glag, Nak, Tang. Sur les enfants. Sur les enfants. C'est-à-dire un enfant. Qui aurait pu croire que père faisait des expériences sur grand-père. 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 J'étais aussi sûr. Qui aurait pu croire que père faisait des expériences sur Tu le savais? Ah oui, du coup. Je suis constaté avec la police en direct. Mais je ne m'attendais pas du tout. Il y a une entrée au 13 avril, au 15 avril. Au 18, au 20, au 22, au 26, au 28, au 2 mai, 7 mai, 15 mai, 24 mai, 6 juin, 18 juin, 27 juin, 29 juin. Il se passe quoi au 2 mai? Non, c'est mars. 30 juin, le rituel blanc. La création d'un cercle magique est indispensable pour tout rituel blanc. Cette référence revient sans arrêt dans les tablettes alchimiques. La représentation peut être symbolique et être tracée par un simple doigt. En son simple, il faut disposer les symboles des quatre éléments et répéter une incantation. Une fois le cercle enchanté, il ne faut pas en sortir sous peine de briser l'enchantement, personne ne vient non plus y pénétrer. Il faut la tablette des quatre éléments en main, une nouvelle incantation. Progressivement, le voile entre les deux mondes se déchire. La tablette canalise l'énergie et le souffle de l'ouverture, elle va trembler dans les mains du futur sabbat. La suite, la découvrir. C'est la dernière entrée du journal. C'est normal, c'est HRP. Il s'est échappé. C'est HRP, il est toujours là à côté de vous. Il est toujours là. Mais est-ce qu'il n'y a pas de risque qui s'échappe sur d'autres endroits clés? Je suis d'accord.
C'est un peu égoïste. Bah, de toute façon, il est déjà là. Je pense pas, en fait. Il y en a déjà un qui est sorti. Est-ce que Eden Chou, est-ce que vous avez déjà eu vent d'autres incidents? Visiblement, il est pas si loin que ça, vu que dans l'état qu'il a eu la gestion. Oui. Personne. Quand tu voulais,
Et il a tué grand-père quand il a voulu faire son rituel blanc. La chose ne veut pas que ça se fasse. Puisque ça permet. Bref, on est en plus de temps. On va pas la faire mourir. Mais personne ne sait si elle va mourir en 4 minutes. Non, le seul moyen de la faire mourir, c'est... Et elle a dit ça il y a 15 minutes. C'est la chose qu'on peut faire. Ouais, ouais, mais si c'est bien... 15-20 minutes, elle a dit. Si c'est le bête qui part à travers elle. Ouais. En tout cas, il ne reste plus beaucoup de temps. C'est très mauvais. Je préfère la prendre une décision, les gars. Moi, je suis pour rien faire. Non. Moi, je suis pour rien faire. Je suis d'accord. T'es avec moi? Non, vous êtes d'accord, c'est bon. Je sais pas. Ouais. Il faut rien faire. Vous êtes d'accord avec moi? De ma mère, c'est parce que c'est moi, je pense qui veut ouvrir le portail? Et tellement de gens, des intentions de l'intentionné, tellement de personnes ont des intentions de l'intentionné là-dedans. Et qui veut ouvrir le portail? En soi, à chaque fois qu'il y avait la possibilité que le portail s'ouvre, il s'est rien passé. En tout cas, là, en fait, il s'est rien passé parce que quelqu'un est intervenu à chaque fois. Oui, la bête. La bête. Justement. Mais peut-être que si on nous essayait d'ouvrir un portable, portail, on pourrait intercepter la bête. Et le seul moyen de... Dans le cahier, le seul moyen... On parle d'une créature qui traverse tout. Le seul moyen, on est sûr, dans le cahier, de tuer la bête, c'est malheureusement le sacrifice du bébé. Non, ça va être donné à nous, là. Oui, dépêchez-vous. Enfin, faut faire quelque chose, là. Qui veut faire quelque chose? Et autant pour être con, quoi, toi? Je crois que j'ai plus de réponse. Personne n'est pour. Moi, je veux pas ouvrir le portail. Personne qui est pour ouvrir le portail? Je veux aider notre sœur. Il va falloir attendre encore moins 20 ans. Ah non, mais moi, le portail, je ne l'ouvre pas. Dis-nous. Mais c'est pas Elsa qui parle. Mais quand elle parle, quand c'est pas elle qui parle, est-ce que c'est Jérémy ou est-ce que c'est Aubert? Bonne question. C'est l'un des deux. Apparemment, c'était peut-être deux. Que les deux. Et les deux ont mauvaises intentions. Oui. Les deux veulent faire revenir des morts. Du coup, c'est pas la peine. Et on sait très bien que grand-père et père étaient tous les deux des sacrés manipulateurs. Ouais, je le découvre maintenant. Et dire que Bobby n'a pas fait. C'est bien parti. Bon, donc on fait rien, c'est sûr. Bah oui, c'est que Ikea commence à faire quelque chose, là. Et vous l'aspirez? Est-ce que vous pouvez... Ça va aller. Amener à Lisa comme ça. Non, je pense que c'est pas la peine. Je pense qu'avec une dose de calmant... Vas-y. Vous comptez quoi? On a rien en train de... Vas-y. Tiens là. Merde. Quelqu'un là? Pourquoi? Je vais me retourner, pas sur mes soucis. Ouais.
Elle était là. Okay. On est tous d'accord, donc on ne fait rien. On fait rien. Tu te soulèves, mais tu peux pas nous voir faire, parce que sinon je retourne. Non, je tiens à signaler, je l'ai fait. Hein. Donc t'attends, t'as attendu, t'as attendu tout à l'heure. Ouais. Et il a cassé les tablettes. Et il a cassé les tablettes. Vous l'avez assommé comment? Non, avec les murs. Ça lui fait rien. Ah, oh, putain. Hein? Ça lui fait rien. Mais non, mais faut qu'on mette à tous les... Allez! Allez! Oh, la cravate! La cravate dans sa bouche! S'effondre sur vous. Sur nous ? Totalement. Elle tombe de la chaise. Oh, les mojos, c'est des connards. Mets-la au sol, mets-la au sol. Mets-la, mets-la. 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 Mets-la, mets-la.
qui m'aide. Ah, tu veux prendre la canapé? Je me la sors. Là. Oh là là, grosse, mon enfant, c'est pour que tu vérifies comment elle sait, comment elle est, etc. Il y a plus de pou. Il y a plus de pou. Oh putain. Non, ça a été sûr. Fallait l'oublier. Fin de la partie. Vous avez perdu.